Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Et chez qui? Bon, bah, c'est parti pour la troisième vidéo actu de la semaine. Ouais, c'est le mercredi, t'as capté, lundi, mardi, mercredi. Bon, c'est parti pour la petite vidéo actu du mercredi. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de ISK, qui a annoncé la sortie de son nouvel EP, qui va s'appeler Hannibal Partie 2. Et c'est disponible pour le 6 décembre. Et dedans, il y a 10 sons et il y a 4 featuring. On aura RK, La Plaie, La Fine et YL. Donc ouais, c'est disponible au début du mois. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, puisqu'il y a Rof qui soupçonne Booba d'acheter des streams. Et il a publié un passage de la story de Booba, et il a fait un zoom dessus et il a mis des flèches. Mais je vois pas très bien ce que c'est en fait. On voit que c'est un dossier sur un ordinateur, mais je vois pas trop ce que c'est. Enfin, je connais pas le logiciel en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez si jamais il y a des personnes qui connaissent. Et on peut voir que Ruff il a dit: flagrant délit de triche, achat de streaming, certif en toc, trône en polystyrène. Et il a mis un emoji mort de rire. Hashtag carrière truquée, the charlatan. Donc s'il y a des personnes qui connaissent le logiciel ou voilà quoi, dites-le dans les commentaires. Mais ouais, je vois pas très bien la photo, elle est trouble. Donc je sais pas trop. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Puisqu'il y a Booba qui a partagé un passage de la vidéo de Kid Loni. Et c'est un passage qui est en train de tourner sur les réseaux. Il a mis un emoji mort de rire avec une cible. Et il a réagi à un son de Damso. Enfin, à l'album qu'il a sorti là il y a pas longtemps. J'ai menti. Et ouais, et ce passage-là, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 1 million de personnes qui l'ont regardé, qui l'ont vu, quoi. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Dames autiste ! Oui, tu es cet autiste de la musique, t'es tellement coincé sur toutes tes technologies. Quand je suis dans mon studio, je suis comme dans ma bulle, d'accord ? Et puis, j'oublie tout le reste, je suis vraiment comme dans ma maison, mais sans être dans ma maison. Et puis, voilà, donc les touches, et puis voilà, je ressens un peu la musique. Oh ! Mais il nous emmerde ! Il a une manière en plus de parler, je connais ce ton ! Quand il commence à rentrer dans les... il commence à zozoter, et il s'y croit. Je sais, je reconnais ce ton. Ensuite, ça c'est une dinguerie, et il est carrément top tweet par rapport à ça. En gros, il y a Pierre Palmade qui a été jugé pour l'accident qu'il a commis l'année dernière. Souko, t'as capté. Et il avait percuté une autre voiture où se trouvaient 3 personnes à l'intérieur. Un père de famille et son fils de 6 ans. Ainsi que leur belle-sœur qui était enceinte à ce moment-là. Et je rappelle que le papa, il avait passé 5 mois à l'hôpital et que son fils de 6 ans, il a été blessé avec un trauma à la tête et une fracture au visage. Et que la belle-sœur, enceinte, a perdu son bébé dans l'accident. Vraiment, ça me fait froid dans le dos de reparler cette affaire. Et là, il y a Pierre Palmade qui a été jugé aujourd'hui et il est condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes avec exécution provisoire. En gros, le tribunal, il a demandé un mandat de dépôt différé. C'est-à-dire que Pierre Palmade, il est sorti libre du tribunal. Et il pourra exécuter sa peine sous bracelet électronique, avec interdiction de passer le permis ou de conduire une voiture pendant 5 ans, avec exécution provisoire. C'est une dinguerie. Les lois et cette justice, c'est un truc de ouf. Et du côté, des parties civiles, ils étaient déçus, tu vois. Déçus de la peine. Car je rappelle que de base, il encourait une peine de 14 ans de prison. C'est vraiment un truc de ouf. Grosse force aux victimes. Et ouais, la justice de notre pays, elle tourne vraiment pas rond. Je tiens vraiment à voir vos avis dans les commentaires. Et vu qu'on en avait parlé, le jour de l'accident, je vous en reparle aujourd'hui, le jour du jugement. Ensuite, hier, on a parlé de Fianso, qui est passé dans une sorte d'entretien avec Medja. Et c'est disponible sur la chaîne DVM Records. Et en gros, je vous ai dit qu'il avait parlé de Gims. Et dans l'interview, il a également parlé de l'affaire de Gazo et Offset. Et il a donné son avis par rapport à ça. Et il a aussi parlé d'une affaire à Molenbeek. Et ça, on en avait parlé il y a plusieurs années maintenant. 2 ou 3 ou voire même 4 ans maintenant. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous invite à taper dans la barre de recherche Fico TV, Fianso, Molenbeek. Et puis ensuite à regarder ce passage pour comprendre. Regardez. Offset, tout ça, t'as pas vu? Ah si, ils ont fait une garde à quelques magasins. Ouais. Ils ont raison. Moi j'ai dit, en fait, là faut faire quoi? Tu payes un ricain, tu lui dis viens clipper Tour Eiffel, on paye en plus. Dès qu'il vient, tu le frappes, tu filmes, tu mets sur internet.
Tu peux ça faire ça, buzz. Tu peux faire ça. C'est qui lui? Ils vont dire c'est qui et tout. Wesh, il a frappé Yuntek. Toi, tu t'en fous, tu vas jamais aller au state. Ouais, mais tu peux faire ça. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, t'as vu les gens qui vont t'ambiancer sur internet. Ah ouais, t'es un carat, tout terrible. T'as vu de l'autre côté, déjà le budget, il est dépensé. Non, mais tu signes les papiers. Il peut pas annuler le son. À quelle heure il peut pas annuler? Ah, il peut, même si on signe des contrats. Ouais. Ah, ok, ah, bah c'est mort. On fout quoi. Mais tu veux pas que ça sort pas, toi. Ah, ouais, ça sort pas. Ah, ben oui, contre pas. Mais s'il me donne les droits des sons, je sais pas. Mais il te les donnera jamais, c'est pas un gogol. Pourquoi il te donner les droits? T'es un fou, c'est un charri. Ah, moi j'ai cru, c'était. Ah, non, okay, je t'explique, ils font quoi les charri, ma gueule, je t'explique. Il vient, il fait une tournée en Europe. Il dit, bah vas-y, je vais faire des concerts en 14, je prends des quiches. Ouais. Il vient, il va dire, c'est 100 balles. Donc il va prendre 100 balles en Angleterre, 100 balles en Europe, 100 balles en France, 100 balles en Italie, 100 balles. Il rentre avec un lourd et demi, Narvalo. Il est mort de rire, il calcule même pas. T'as capté ou pas? C'est ça la vraie histoire, poto. Et en plus, des fois, il te manque de respect, poto, devant Watt. Il fait des actions devant Watt. T'es fou, je suis à bout, poto. Laisse-moi, poto. Il a rien, frère. Laisse-moi avec mes petits gremlins Star Wars. On est très bien entre nous, frère. Non, mais c'est vrai, je voyais pas le truc comme ça. Bah oui, poto. J'ai pas le truc parce que en gros ils viennent, c'est comme les. Et en plus, frère, les mecs ils demandent des quiches de fou. Des quiches t'as de fou. Ils connaissent ni ta musique, c'est même là-bas, l'inconnu il a son prix. Hein. Même le mec il fait pas beau trop. C'est des 2 balles, des 5. Ça c'est parce que toi tu le connais pas. Mais ça se trouve, t'as vu aux États-Unis, il y a des mecs, il va sortir juste en, je sais pas moi, en Floride ou dans le Mississippi, juste dans son état. Mmh. Déjà il est même pas connu dans tous les states. Mmh. Il a déjà pris un lourd ou deux, poteau. Bah oui, peut-être. Ça va vite là-bas en fait. Bah ils sont 450 millions. C'est vrai, c'est un moment où on se parle. C'est une dinguerie. Et en plus de ça, eux, quand ils sortent un titre, ça fait le tour du monde. Je remets mon bras, les gars, les questions qui fâchent. C'est vrai. Ouais, alors en gros, tu nous expliques l'histoire en Belgique. Ouais, concert à Molenbeek. Ouais. Ouais, je te raconte si tu veux. C'était bien ce jour-là. Et moi, parce que les gens, c'est des gogoles. Ils aiment quand ça crie, quand ça truc, quand ça machin. Mais t'as vu après la vidéo que tu vois où les mecs ils me jettent des trucs. Pour toi, après, on fait une heure de concert après. Tu captes ou pas? C'est stylé, barre de rire, machin. Je vais t'expliquer ce qu'est l'histoire. La veille, je fais un rentre dans le cercle. T'as vu, moi, j'ai pas les potes à Molenbeek. Mmh. Tu vois, notamment des quartiers Bécan, tout ça, là, j'ai connu les mecs de là-bas. Mmh. Je fais un rentre dans le cercle payé par Universal, sponsorisé par ASICS. D'accord? Ça a lieu à Bruxelles, avec des rappeurs belges. Maintenant, c'est pas moi, je fais la sélection. T'as compris? Mmh, okay. Maintenant, moi, mes sahabs à Molenbeek, ils me disent, c'est comment, poto? Ouais, désolé les refs, t'as vu, j'ai pas pu caca. Maintenant, ce jour-là, ils m'en ont voulu. Je suis arrivé sur Neusé. Waouh, ça commence à acheter des que trucs. Wallah, il a radé, me regarde bien. Tu veux l'anecdote? Première date de Souking avec moi. C'était la première fois qu'il venait, wallah. J'y ai tranquille, on jette rien. Il y en a, ils se mettent là, derrière DJ. Moi, je me mets derrière la console. Ça a duré 3 minutes. Wallah, 3 minutes. Ils ont fait le ménage entre eux. Je suis revenu sur scène, je dis, c'est bon, on fait un concert. On fait un concert. Et c'est le concert, ça a duré une heure. Et c'était mortel. Un frère, moi, le mec, j'y étais encore il y a 4 mois, plutôt. Mec de là-bas, c'est les frérots. Donc, ouais, j'en ai jamais parlé parce que je m'en fous. Mais c'était bien. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Je fais mon pète en haut de la colline, en direct de la castée. En bas y'a des petits de 13 ans qu'on la sacoche. T'inquiète, ils sont carrés dans les comptes. Il veut pas trop dans sa poche, il porte les courses de la voisine. Quand ça crie, elle lui ouvre la porte. Et tout de suite ça m'a régalé, mais s'il y a pas la familia, qu'est-ce que je donnerais pas pour la voir ou pour un boss à ma régale. On te voit les sous mais ça rigole. Ouais je suis fou mais je parais calme. Rien à foutre, regarde pas le foot, je m'en bats les couilles que Paris gagne. Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne comme d'habitude. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2-3 puis là, c'est juste pour référencement. Et je tiens à préciser que cette outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, comme d'habitude. Tu vois, comme ça, ça m'évite de tourner, etc. Bref, je me répète. Et si jamais il y a de l'actualité que j'ai oublié d'en parler dans cette vidéo, n'hésite pas à me contacter directement sur mes réseaux. Je vous les mets à l'écran directement. Sinon, je te dis à sortir pour une nouvelle prochaine, une vidéo et une nouvelle exclue. Avec ma veste Superman. Ouais, je la kiffe celle-là, c'est une dinguerie. Enfin bref, c'est dingue.